Bonjour à tous, c'est Gilles. Je venais vous saluer aujourd'hui. On est vraiment dans un grand moment de transition hein, qui va durer un an ou deux. Et puis il y aura des grands événements, des bouleversements. Toute la société est en train d'être transformée depuis l'intérieur à vitesse grand V. Hein. Donc il faut être prêt. On est prêt. De toute manière, on a eu tout le temps qu'il nous fallait pour se préparer. On est vraiment dans cette phase de transition. Très bientôt, tous les médias vont être libérés de cette propagande, de cette contrôle, de cette base de peur. Hein, parce que tout est basé sur le. Il n'y a qu'une seule chose à avoir peur, c'est la peur elle-même. Un grand thème d'un philosophe, enfin, c'était plutôt un stratège militaire, c'était un grand général, c'est un peu brutal, mais c'est un livre très important qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu, 6e siècle avant Jésus-Christ. Bon, c'est les stratégies militaires, mais il nous enseigne essentiellement dans son livre qu'il n'y a rien à avoir à peur, il n'y a que la peur elle-même qu'il faut avoir peur, et sinon tout le reste, parce que la peur est le fuel de l'illusion, est le seul moyen, le seul pouvoir qu'on a pour contrôler ce monde, c'est la peur. Donc on doit se délivrer de nos peurs. Et très bientôt, tout ça va disparaître. Hein, ce contrôle des médias, les médias vont être libérés. Ce n'est pas la faute de la plupart des journalistes ou même de leurs éditorialistes. Hein, c'est parce qu'eux-mêmes sont contraints à faire passer ces choses de cette manière. Il va y avoir bientôt des nouvelles lois qui vont être en place, hein, qui vont être établies grâce à l'influence des intelligences supérieures qui régissent cette planète, intelligence invisible, hein, je parle angélique et super angélique, etc., spirituelle, qui vont nous assister à mettre en place des lois qui vont protéger l'humanité et la nature, les animaux. On va aussi nous introduire à des technologies qui feront qu'on n'aura plus besoin de tuer les animaux ou couper les arbres. Donc c'est... j'ai oublié d'éteindre la sonnerie de mon téléphone. Et donc tout ça c'est en train d'arriver, savoir que bon la Terre c'est vraiment une école d'évolution, mais dans cette école, c'est une grande école quand même, c'est assez vaste. Il y en a vraiment qui sont à la maternelle, il y en a d'autres qui sont en primaire, il y en a d'autres qui sont en secondaire, il y en a qui sont au niveau universitaire. Donc tout le monde est un peu à différents niveaux, il faut accepter que bon toutes les âmes ne sont pas en train d'étudier les mêmes programmes, les mêmes choses, hein. Il faut essayer de rester concentré sur son propre programme, qu'est-ce que nous on est là pour apprendre et enseigner, parce qu'on enseigne ce que l'on cherche à apprendre aussi, hein. Dans un sens, ce que l'on cherche à développer. Bientôt, il va y avoir la fin aussi de toutes ces guerres, des choses qui sont forcées, la brutalité, tout ça va disparaître. Hein. C'est important de rester, de savoir ça. Et parce que qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Ce qu'on apprend, c'est depuis toujours, on s'apprend soi-même. L'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, rien de trop. Hein. Il y a toutes sortes de choses qui sont en trop. Et donc, on doit se connaître soi-même et connaître le monde spirituel, l'esprit, qui est en réalité un. C'est d'arriver à trouver arriver à se connaître soi-même et enlever tout ce qui est en trop. Il y a toutes sortes de choses qui sont en trop, qu'on n'a pas besoin, qui nous empêchent de découvrir qui nous sommes vraiment. Donc, c'est un procédé. Je voulais aussi dire, on parle beaucoup des galactiques, des êtres galactiques qui vont arriver, et ça c'est un fait, ils sont pressés d'arriver. Mais je voulais que vous vous reconnaissiez déjà comme un être galactique, c'est abandonner l'idée d'être un être humain, un homo sapiens, un mortel qui subit la vie, pour retrouver ses pouvoirs, d'être déjà connecté avec votre nature galactique, ce qui vous permettra de connecter avec toute votre famille galactique. Alors, dans la galactique, il y a des positifs et des négatifs un peu partout, hein, même à Sirius, même aux Pléiades, même à Alpha du Centaure, il y a des rebelles qui... Orion, il y a des êtres très lumineux qui viennent d'Orion aussi. Donc, il faut savoir, il faut connecter avec tous ceux qui sont au moins dans la cinquième dimension, hein, dans notre intention, de savoir qu'on ne cherche à connecter mais notre âme et notre esprit est déjà assez clair là-dessus, qu'on ne veut connecter qu'avec ceux qui ont une véritable sagesse à nous apporter, parce que les autres ont tendance à chercher à remplir des agendas qui leur sont personnels. Mais donc, voyez-vous-même comme un galactique, hein, déjà, plutôt que de les attendre, connectez avec votre nature galactique, ce qui va ouvrir les portes pour pouvoir trouver cette unification, ce point d'unification. Et reconnaître votre propre... Parce que tout est connecté au niveau de l'âme, il n'y a qu'une seule âme, que ce soit humain, des humains ou des galactiques, hein, de toute manière. Cela dit, l'âme est très spécifique. Chaque pays, chaque culture a son âme, chaque continent a son âme, chaque planète a son âme, chaque personne a son âme. Et au plus on ressent quelque chose de profond, plus à travers l'âme, on peut connecter télépathiquement à n'importe quelle autre âme, puisqu'on est tous connectés. Seulement, il y a des âmes avec qui on a des contrats d'âme plus profonds, et c'est avec cela qu'on cherche à s'entourer, à attirer. Et je veux aussi dire qu'on est très connecté on doit se connecter beaucoup plus à la terre en dessous et au soleil au-dessus, à la mer en dessous et au divin féminin en dessous et au divin masculin au-dessus. Il y a des énergies incroyables qui sont prêtes à nous donner,
qu'on peut recevoir ces énergies, savoir que toutes les cellules de notre corps existent dans l'eau de la terre, hein, quand même. Donc c'est arriver à vibrer, parce que nos émotions sont connectées avec nos systèmes hydrauliques aussi. Donc c'est arriver à amener toutes ces forces de la nature. Prendre un bain d'eau salée, ça nous connecte à l'océan. Il y a toutes sortes de manières de connecter avec la nature, mais vraiment sentir en dessous nos pieds cette énergie qui monte du centre de la Terre et pouvoir amener cette énergie du haut, du soleil. Parce que la nature de notre âme, c'est la même que celle du soleil. L'âme, c'est aussi brillant que le soleil. Hein, c'est la lumière de notre âme qu'on doit redécouvrir. Aussi comprendre que toutes ces activités externes, dans ce monde, dans cette matrice fantôme, à un moment donné, il faut sortir de la matrice, il faut faire tout ce que l'on peut pour sortir de la matrice, parce que toutes ces activités externes cherchent à nous détourner de l'essence de qui on est, la joie, du bonheur, de pouvoir jouer, de pouvoir s'amuser, de pouvoir profiter de la vie librement. Donc c'est arriver à harmoniser le travail qu'on a à faire avec les récréations aussi. Mais ne pas être trop... d'y aller doucement avec nous-mêmes aussi. Je tirais quelques cartes avec c'est un tarot très très doux que j'aime beaucoup, qui est un tarot que je dois avoir depuis plus de 20 ans. C'est un tarot que j'ai acheté aux États-Unis, qu'on m'avait donné, je ne sais pas, c'est un tarot chinois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc la situation, on a envie de compléter le travail. C'est quelqu'un qui travaille dans son atelier. Il a vraiment envie de compléter, finir ce travail. Hein, vraiment, il est vraiment en train de laborer. C'est laborieux. Il est en train de finir son travail. Donc il faut pas trop. En essence, il n'y a pas besoin. Le travail a été fait. Maintenant, il faut se relaxer, laisser les choses, laisser l'herbe pousser naturellement. Autour de cette situation, il y a traditionnellement, c'est la carte du gain, du profit, mais ici, c'est quelqu'un qui consulte les oracles, qui a envie de connaître le futur, alors qu'en réalité, il n'y a pas le futur se révèle naturellement, hein, il se manifeste, le futur, il se manifeste en tant que vision ou intuition ou ressenti, mais il se manifeste en tant que présent quand les choses sont prêtes. Ce que l'on voit devant nous, c'est le soleil, c'est l'aboutissant, c'est le bien-être, la retrouvaille, la joie, le bonheur, l'abondance, la richesse, la prospérité, la santé. Alors ici, c'est quelqu'un, il y avait 7 soleils, mais il est en train de détruire les 6 autres soleils pour qu'il n'en reste plus qu'un. Il n'y a pas besoin d'être dispersé dans sa source de lumière, savoir que tout vient de l'un. Dans notre subconscient, on a le 2 de bâton, le 2 de staff ici, c'est vraiment l'amour qui dure. C'est la représentation de la loyauté, la relation profonde, la relation durable qui nous apporte cette joie familiale, cette joie, pas familiale, mais... C'est le bonheur conjugal, c'est le mot que je cherchais. Des fois, je cherche mes mots en français, des fois, je les cherche un peu en anglais. La situation dans laquelle on est actuellement, c'est la perfection. C'est vraiment l'essence de la perfection. C'est un archer. Tous les jours, on doit travailler un peu sur nous-mêmes. Par contre, dans le futur, il y a encore des choses sur lesquelles il va falloir travailler. C'est lâcher prise sur toute l'idée qu'on puisse encore échouer. Ici, c'est quelqu'un, il se retourne vers le passé pour lutter contre ces choses qui reviennent du passé. Donc, il y a vraiment besoin de lâcher prise sur le passé. Et à partir de là, on trouve le chariot. On trouve ce magnifique chariot qui peut nous transporter. C'est la réussite sociale. C'est celui qui avance, c'est celui qui se libère. Notre force dans cette situation, il faut faire attention de ne pas être trop matérialiste, de pas trop s'inquiéter, de pas trop penser. Ici, c'est quelqu'un qui est un peu, il a la tête coincée dans toutes ces choses matérielles. Donc, au fur et à mesure qu'on lâche prise, il faut laisser les choses se faire naturellement. Ici, c'est la carte de la mort, de la transfiguration. Il faut arriver à savoir que, bon, naturellement, les choses vont se transformer. Cette carte de la mort dans le tarot, bon, les gens qui font de la voyance, ça peut indiquer la mort de quelqu'un. Mais quand on fait pas de la voyance, on fait de la divination, disons, c'est en fait des oracles, c'est un peu dans un sens, mais bon, moi je lis très très différemment des gens qui essaient de prédire le futur, parce que dès qu'on nous prédit un futur, on peut le changer, hein, on peut se tromper, donc on attend les choses, machin. Alors que là, vraiment, cette carte de la mort, c'est la carte de la transfiguration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'efforts particuliers de notre part pour que les choses arrivent, donc il faut s'abandonner à la vérité. Ce qui vient à nous, ce qui se révèle, tout en restant concentré sur la lumière. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la dame d'épée. La dame d'épée, c'est très intellectuel, c'est quelqu'un de très logique, c'est les masques qui vont tomber aussi. Hein. Donc c'est vraiment le business aussi, c'est pas trop sentimental, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus dans le sens... Mais
Ce que l'on voit dans nos émotions internes, c'est le 3 de bâton. Alors ici, c'est un maître taoïste qui fait c'est vraiment là aussi, c'est une autre carte. Les 3 sont vraiment des cartes de perfection ici, hein, c'est vraiment le... Donc c'est vraiment la carte de l'intégrité, de la vertu, des principes. Alors le domaine sur lequel il faut qu'on travaille, c'est sur l'abondance. Ici c'est un dieu de l'abondance qui amène la prospérité, comme Lakshmi, la bien-aimée Lakshmi. De temps en temps, quand elle vient nous voir, on sait qu'elle apporte des richesses et des bienfaits, de la fortune. Donc c'est vraiment se connecter sur son abondance émotionnellement, pour pouvoir l'attirer dans notre vie. Et l'aboutissant, c'est ici, c'est le maître Lao Tse, hein, avec sa biche, avec la biche, c'est l'étoile, c'est le rêve qui devient une réalité, nos rêves qui deviennent une réalité, hein, c'est connecté avec le monde angélique, là, le monde de la grâce. Donc il y a plein de ces bonnes choses, et ce qu'on va voir devant nous se manifester, c'est la lumière du soleil. Hein. Donc voilà, j'espère que cela aura résonné avec vous. Je vais chanter une petite chanson. Derrière moi, c'est un portrait, ça fait partie des portraits que j'ai fait en 2019. Il y a certains qui vont être revus, celui-là est pas mal, je pense pas, ils vont avoir besoin d'être catalogués, encadrés, bien encadrés, présentés. Et ici, ça fait partie de ces quatre panneaux en réalité. Là, il n'y a que le premier, c'est le premier panneau, il y a deux, trois, quatre. C'est un grand texte sur des paroles, sur un message divin qui est très très puissant. Donc, le premier est pratiquement fini, hein, là, il y a encore du travail à faire sur les trois autres. Donc il y a toutes sortes de choses, je ne vais pas le rentrer, ça s'appelait arrêter le pendule de la dualité chez les autres. Parce que l'univers a été créé sur un point central de lumière, juste une ligne centrale de lumière. Seulement, on ne peut pas y connecter encore tant que notre conscience fonctionne comme un pendule, c'est-à-dire qu'on passe à travers la lumière, mais on ne peut pas, puisque le pendule, il est toujours à droite et à gauche, il est toujours bien, mal, haut, bas... Et donc, et ici sur la Terre, il y en a qui ont pris le pendule et qui l'ont fait partir beaucoup plus haut dans les contrastes, donc c'est très difficile. Donc ce que l'on doit faire déjà, c'est arrêter le pendule à l'intérieur de nous, et on peut l'arrêter chez les autres, ce qui leur permet de trouver ce moment de liberté, et après c'est à eux de cultiver ce point central d'immobilité. Voilà. Donc, c'est un tableau sur lequel je travaille. Il y a le siège, hein, le siège en bas, derrière ce texte, hein, l'arbre de la vie, le grand vide, et puis il y a tous ces mondes célestes en haut. C'est une chanson, je me prie un peu au hasard, c'est une chanson qui parle de... On est sous le soleil, ça s'appelle « Sous le soleil ». Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district? C'était au bord de la mer. Depuis j'ai oublié lequel. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement. Juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique? Vers le Cap Horn, vers le Cap Vert. Était-ce sur un archipel? Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement. Juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant si c'était réel. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement. Juste en dessous. Ah, chanson de Serge Gainsbourg, hein, ça veut dire saluer. Serge, je l'ai rencontré. Ah, une carte qui sort. C'est la carte du pourquoi. Pourquoi? On a besoin de savoir pourquoi. On a besoin de comprendre les choses. C'est une carte qui on se pose des questions sur les causes et les effets, parce que tout part des causes. Donc,
Des fois, il faut arriver à lâcher prise sur les causes pour arriver ou revenir, recréer des nouvelles causes. Hein. Alors, la carte de la journée, c'est la réparation. On va tirer une nouvelle, c'est la réparation, c'est d'arriver à d'être dans une position où on va pouvoir ramener toutes ces choses en harmonie qui ont été un peu laissées de côté parce qu'on ne pouvait pas, c'était en dehors de notre pouvoir de réparer ces choses. Et là, on va nous donner le temps, les moyens de réparer, de harmoniser toutes ces choses pour retrouver un sens de l'équilibre encore plus important dans notre vie. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.